Julia est avec nous pour nous parler justement de la toute dernière initiative de la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui est relayée sur Facebook. Oui, elle a choisi d'en parler uniquement sur Facebook. La secrétaire d'État à égalité homme-femme, eh bien, elle a partagé sur son profil Facebook une photo où elle apparaît cheveux coupés. Elle explique qu'avec sa sœur, elles ont décidé de faire don de leurs cheveux à une association qui fournit des perruques pour les femmes atteintes du cancer. Alors, elle justifie son geste par la volonté de mieux faire connaître cette pratique qui est finalement très peu courante en France. On coupe au moins 25 cm de cheveux. On en fait des couettes qu'on dépose dans une enveloppe et qu'on envoie à une asso. Ah, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'elle a choisi de le faire et d'en parler sur Facebook. Alors évidemment, la secrétaire d'État, elle se coupe les cheveux, c'est partout dans la presse. Mais en tout cas, cette initiative-là, elle est utile et elle est à suivre aussi sous le hashtag « La tête haute » pour aider les femmes à se procurer plus facilement des perruques. C'est 400 euros minimum une perruque aujourd'hui. Donc elles n'ont pas toute l'opportunité de pouvoir en avoir une. Les coiffeurs peuvent le faire aussi, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup, Julia.